Non, c'est trop cool, j'ai pas besoin de... Non, je voulais prendre la parole pour... Merci. Ouais, je voulais prendre la parole pour parce que j'ai le même sentiment qu'Alexandre qui a parlé auparavant. C'est vrai qu'on est quelques personnes à s'intéresser à la démocratie et à ce dont vous parlez. Et c'est vrai qu'il y a la masse, 90%, qui en a vraiment rien à faire. Est-ce que la solution, finalement, c'est que tout le monde soit citoyen ou qu'on fasse une distinction entre les citoyens et les civils? Parce que être citoyen, ça impose des devoirs, et donc en contrepartie, on reçoit des droits. En même temps, être citoyen, comme vous l'avez dit, ça impose d'être volontaire, donc il faut faire le premier pas. Moi, je pense qu'il faut y avoir une distinction entre les citoyens et les civils, et par contre, il y a un principe fondamental, c'est que tout civil puisse devenir citoyen. Tout civil puisse devenir citoyen, et ce principe ne pourra jamais être remis en cause par n'importe qui, aucun religieux, c'est un principe fondamental. Par contre, il pourrait y avoir 10% de citoyens, 90% de civils, 90% de citoyens, 10% de civils. Mais à mon avis, il faut faire une distinction. C'est très je dirais que cette distinction, elle serait utile pour donner envie aux civils, aux autres gens, aux consommateurs, d'être citoyens. Parce que si on fait une distinction, en gros, le désir vient aussi de l'indistinction. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve ça très... Excusez-moi, j'utilise tout le temps le mot, mais c'est très... C'est absolument... Et pourtant, c'est politiquement pas correct, hein, parce que ça ressemble drôlement aux citoyens actifs passifs, ça ressemble au suffrage censitaire, ça ressemble... Alors j'imagine que c'est pas ça qu'on pensait, c'est-à-dire que le critérium, ça va pas être l'argent... Alors par contre, il y aurait un état de droit, les civils seraient soumis aux mêmes lois que les citoyens. Par contre, vu que les civils, en gros, il faudrait déconner un micro pour que ce soit enregistré parce que c'est très intéressant ça. Vu que les civils ne porteraient pas les armes et donc n'auront aucune responsabilité, en contrepartie, ils n'auraient pas le pouvoir de décider. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas le pouvoir. C'est juste la seule distinction. Pas d'armes, l'obligation d'obéir, des droits protecteurs pour être sûr que la majorité ne va pas les écrabouiller. Oui, bien sûr. Et la possibilité, c'est super important, la possibilité à tout moment de passer dans le camp des citoyens à condition d'être prêt d'avoir appris peut-être s'il y a un permis, avoir un minimum des institutions et des valeurs de la démocratie, et puis ensuite être capable de... Et moi, ça me paraît pas... Si c'est vraiment open, et qu'il n'y a pas une marge d'entrée insurmontable, c'est-à-dire que vraiment quelqu'un de bonne volonté, même modeste, y arrive, je trouve ça très attrayant. C'est-à-dire que il me semble que ça permet d'avoir un régime dans lequel on a... Mais là, on progresse, on fait un truc important ce soir, parce que... Attends, juste... Ça permet d'avoir un système dans lequel les 90% qui s'en foutent ont une place protégée contre les injustices. Et parce que c'est des gens qui en fait ne veulent pas de chef. C'est des gens qui... Enfin, pardon, les citoyens ne veulent pas de chef, mais eux, c'est des gens qui veulent un bon chef. Ils veulent un bon maître. Et ils ne veulent pas du tout être libres. Il y a plein de gens comme ça. Et cela... Comment on fait société? Probablement avec deux vitesses, mais deux vitesses qui permettent de changer. Ça ne me paraît pas choquant, ça ne me paraît pas injuste si, quand on se met à avoir envie de faire la politique, on peut changer de camp et on devient citoyen avec les droits et les devoirs. Et la... Je rebondis un peu sur ton idée. Attends. Non, c'est pas mal. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui ne parlent jamais. Alors peut-être qu'on peut... Mais moi aussi, il faudrait que je me taise un peu. C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre, mais... ou 20% ou même 50%, parce que là 1%, est-ce que les Versaillais vont nous laisser faire? Ah non, ça c'est sûr. Ah non, ça c'est sûr que les Versaillais vont pas nous laisser faire, ça c'est une des objections. C'est un système en place quoi. Oui, non mais ça c'est une des objections, mais peut-être qu'on peut la garder pour la fin, parce qu'il me semble que ma façon de prendre les choses permet de... Enfin, ça me paraît être une possibilité de la façon virale. Bon, je vous en dis un mot parce que comme ça vous voyez où je veux en venir. J'imagine pas qu'on s'insurge aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va perdre, on est pas assez nombreux, ils sont tellement forts, et le rapport de force, on ne gagnera jamais. Ce que je dis, c'est que si nous arrivons à avoir une idée simple, puissante, parce qu'elle prend toutes les injustices à la racine, tout ou presque à la... Il en restera, je sais, mais déjà, imaginez qu'on en règle plein, en nous rendant suffisamment puissants pour résister aux injustices. Et que... Imaginez que nous nous passions le mot entre nous, c'est-à-dire qu'à chaque fois on se réunit, on est 40, 50, 60, une centaine, même si on est 20. Imaginez même si on est 10, si vous arrivez avec un facteur 10, à chaque fois que vous vous occupez de fabriquer des nouveaux globules blancs, Vous les convainquez, mais vous savez qu'il ne faut pas une fois, il faut les revoir deux fois, trois fois, ça se travaille en fait, hein, parce que s'il y a une désintoxication, ça fait 40 ans qu'on est dressé à comprendre le contraire de ce qu'on est en train de découvrir tout seul, et ça ne va pas venir en une soirée avec les gens. Il va falloir discuter, revenir, trouver des trucs pour que la controverse ait du goût, qu'ils aient envie, que les gens avec qui on s'est un peu pris de bec, là, ils aient envie de revenir, trouver des trucs. Mais imaginez que ce soit même un facteur 10, ça va faire une exponentielle. Et une exponentielle, ça va très vite. Et il me semble que l'idée virale, qui est rendue possible par Internet, tant qu'on a Internet, mais il faut se manier, ça peut marcher parce que si on est des milliards à le vouloir, ce qui n'est pas le cas en ce moment, mais si on est des milliards à le vouloir, on l'aura sans effusion de sang. Parce que les Versaillais, ils y arrivent quand on est quelques dizaines de milliers. C'est fou, dizaines de milliers, c'est beaucoup de monde. Il faut voir les photos de la Commune. Les photos de la Commune de Paris, ils devaient se dire on est invulnérables, les Parisiens. Les rues étaient pleines de gens qui fraternisaient. Ils craignaient plus personne, quoi. Ils étaient plus de 500 000 en Grèce. Ça n'a pas changé grand-chose. Et ça n'a pas changé grand-chose. Donc quand je parle de millions, il faut vraiment qu'on soit... Non, mais attendez, ils sont 500 000 en Grèce... Mais on est prêt à se disperser. Si vous voulez, il nous manque le lien. Il nous manque l'idée commune. Et l'idée commune dont on sait qu'elle est commune et on sait qu'il ne faut pas se disperser. C'est-à-dire qu'on peut parler du reste, évidemment, mais on sait qu'il y a un truc sur lequel il ne faut pas qu'on transige. On ne veut pas de professionnels dans l'Assemblée constituante. On peut discutailler, mais ça, on ne discutaillera pas. Et si ça, c'est notre lien... Je trouve que c'est quelque chose, je lis Marx, hein, et je trouve des tas de choses très intéressantes dans Marx, mais je trouve qu'il a complètement, mais bon voilà, il a raté, il a rien dit du processus constituant. Et pour lui, la Constitution, c'était le résultat, c'était une conséquence du rapport de force. Il a raison, d'une certaine façon, mais il a tort aussi, parce que ça pourrait être l'outil qui change le rapport de force, parce que, il y a un truc qui devrait vous tirer... Le neurone, c'est que les banques écrivent la Constitution. Et pourquoi ils écrivent la Constitution? Ils sont moins bêtes que nous, quoi. Nous, on est là à dire, non, c'est le résultat d'un rapport de force, c'est pas la peine de s'occuper de ça, ça viendra une fois qu'on aura changé le rapport de force. Les banquiers sont moins bêtes, ils écrivent la Constitution européenne, elle a été écrite par les banquiers. Ils ont compris que c'est là que ça se jouait. La gendarmerie, elle obéit à la Constitution. L'armée, elle obéit à la Constitution. Les policiers, ils sont très légalistes, ils obéissent à la Constitution, c'est trop long notre truc. Vous embêtez pas, vous êtes gentil. Vous pouvez m'écrire, hein, si, sur le site, on continue à... Les banquiers. Ouais, les banquiers écrivent la Constitution, les policiers obéissent à la Constitution, et si nous trouvons le moyen... Non pas d'écrire une constitution parfaite, je sais qu'elle ne sera pas parfaite. Et je sais, ce dont je suis sûr, et c'est ça dont j'essaie de faire partager la conviction avec d'autres pour que ça finisse par marcher, parce qu'on va être nombreux, je suis sûr que, puisque c'est le conflit d'intérêts avec des gens qui ont un intérêt à notre impuissance, qui écrivent les règles dans lesquelles peuvent être programmées soit notre impuissance, soit notre puissance dans la Constitution. Vous pourriez programmer soit notre puissance, soit notre impuissance. Et si cette Constitution, elle est écrite partout dans le monde, à toutes les époques, par des gens qui ont un intérêt personnel à notre impuissance. Putain, mais on a là un truc. Marx, il n'en a pas parlé, je sais. Je ne suis pas anti-marxiste, c'est complémentaire. Je pense que la classe des 99% va avoir enfin le moyen de résister quand elle va, au lieu d'abandonner le pouvoir, ce pouvoir-là, au lieu de l'abandonner parce qu'elle a abandonné le super pouvoir qui dit comment vont être écrites les règles, comment vont être écrites les règles, et comment on va pouvoir résister quand on se fait enfumer. Ce pouvoir-là, il ne faut pas qu'on l'abandonne. Voilà. Même si vous ne faites pas de politique, et si vous êtes là, c'est que vous en faites un peu, mais ce qu'il faut qu'on dise à ceux qui ne font pas de politique, et alors, vous n'êtes pas concerné parce que vous venez là. Mais je reçois tous les jours des mails de gens qui sont tombés par hasard sur le net. Ils sont tombés sur une conférence, et eux, ils ne faisaient pas de politique, ils avaient renoncé. Ils m'écrivent en disant « Putain, j'ai trouvé un truc, je me remets à faire de la politique. » Parce que cette idée de reprendre le contrôle du processus constituant, pas de toute la politique, Si vous prenez le contrôle du constituant en disant « je fais attention à ce que ceux qui écrivent les règles là-haut ne soient pas en conflit d'intérêts », là vous allez avoir plein de contre-pouvoirs qui font des contre-pouvoirs qui vont faire qu'ils se surveillent entre eux et que vous, vous allez pouvoir les surveiller, qui font que vous aurez beaucoup moins à craindre. Vous n'aurez plus besoin, si ça ne vous intéresse pas, vous n'aurez plus besoin de faire de la politique, vous serez mieux protégé parce que vous êtes occupé non pas de toutes ces conséquences, il y en a trop qui nous divisent, qui nous dispersent, mais vous serez occupé de la racine, du seul truc qui devrait nous réunir, qui est ce terreau d'où poussent toutes les injustices, qui est notre impuissance politique. Et là vous êtes remonté, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette impuissance politique par la Constitution? Mais pourquoi il y a une mauvaise Constitution? Parce que c'est ceux qui l'écrivent sur le conflit d'intérêt. Mais comment on fait pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt? Eh bien on évite. Là vous êtes remonté à la cause des causes. On évite, je fais l'image des racines où je remonte à la cause des causes, la racine qui déclenche tout. J'ai le fait qu'il y ait des professionnels de la politique qui ont un intérêt là, à la Constitution. La Constitution, il va falloir qu'ils la craignent. Ah non mais il ne faut pas que ce soit eux qui l'écrivent. Vous pensez pas qu'en... Ça c'est chouardesque. Vous pensez pas qu'en plus du contrôle de la Constitution, il faudra aussi reprendre le contrôle du logos, du champ des mots? Du Conseil constitutionnel, vous voulez dire de ceux qui appliquent la Constitution? Et même, non mais même de nous-mêmes, c'est-à-dire que comme vous disiez tout au début de notre conférence, le fait que maintenant les mots... ont un sens inverse. Le mot démocratie, quand même, ah bah oui, ça, c'est sûr. On devrait aussi se réapproprier le champ lexical, le logos. Et j'ai l'impression que de toute façon, de plus en plus, on se dirige en plus à un monde à la George Orwell avec la nouvelle langue. C'est-à-dire que les termes sont complètement galvaudés, ils sont transformés, ils veulent plus rien dire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. On se dit 20 minutes. Et après, il y a un pot derrière. Il y a 20 minutes, c'est affreusement court. À Grenoble, en fin décembre, à Grenoble, on a fini à 1h30. Et avec les yeux comme ça, hein, on n'est pas dormi. Hein. On a fini à 1h30 parce qu'il fallait absolument arrêter. Je rebondis sur l'idée de la synthèse Boris. Parce que Boris, Alexandre. Je vais dans le même sens, mais on est tous d'accord que commencer actuellement, c'est pas bien. Mais moi je parle plus de l'idée qu'il faut non pas séparer, mais fusionner la politique et l'économiste et l'historien, que ce soit un même métier, mais par contre que les électeurs, que ce soit des gens techniciens, c'est-à-dire que non droit d'élire, que ceux qui participent à des discussions et qui deviennent techniciens, et donc du coup, je pense que le discours va changer, c'est-à-dire que ceux qui vont se présenter ne vont pas avoir un discours passionné comme la France au travail, ils vont avoir un discours très technique, parce qu'ils vont savoir que leur audience, que ceux qui les élites sont techniques aussi et qui vont faire des comptes et qu'eux ils sont moins dupes que les gens qui ont finalement rien à faire et qui sont plus influencés par le marketing actuel. Oui, mais il y a un argument, mais... Par nous, en enfant, ils ne sont pas techniciens pour arriver, sinon ça peut... N'importe qui peut être technicien en rentrant dans des... Ils se forment à être technicien, du coup. Voilà. C'est pas être technicien. Alors, il y a quelque chose d'attirant et de très repoussant en même temps, je trouve, dans cette idée. Elle est attirante parce que c'est vrai que les techniciens vont probablement avoir moins de passion. Mais finalement, je crois que ça c'est un leurre, hein, parce que les techniciens, on y est dans le gouvernement des techniciens. Et c'est épouvantable. Non mais je veux dire, le peuple technicien, c'est les gens qui s'intéressent vraiment à quelque chose. Je veux dire, ah non mais alors, on revient sur l'idée de Boris là. Alors l'idée de Boris, non mais dans son sens. Oui mais c'est pas forcément technicien quoi, parce que je trouve que le pari des Athéniens qui dit qu'il n'y a pas de compétences politiques, qu'il n'y a pas de technique politique. Nous sommes tous capables de goûter ce poulet et de dire il est bon, il est mauvais, et pourtant on n'est pas foutu de le faire bon ou mauvais. Et c'est une image d'Alain dans les propos sur le pouvoir. Et je crois que c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu, pourtant j'en lis un paquet, mais je crois vraiment le meilleur livre du monde. J'exagère un petit peu parce que j'en mettrai peut-être 2 ou 3 quand même, mais les propos sur le pouvoir, c'est une merveille, une merveille. Et lui, il parle de l'objection de l'incompétence, il parle de... il dit, mais c'est pas raisonnable de se faire enfumer par des... Il n'utilise pas ces mots-là, hein, mais c'est pas normal de se faire circonvenir par des parlementaires qui nous font croire qu'ils sont compétents et nous pas. Donc, et il prend l'image du consommateur de politique que sont les citoyens qui disent qui ont délégué les parlementaires pour rendre des services et qui disent je suis bien capable de savoir que ce que vous m'avez rendu c'est pas bon et de vous punir même si je ne suis pas technicien de dire vous n'avez pas atteint le résultat. Et il y a une autre image quand il parle de savoir qui est le maître du navire. Et en fait, il dit, oui, peut-être qu'il nous faut au Parlement des techniciens qui sont le capitaine du navire, qui savent comment diriger le navire, mais c'est nous, l'armateur, c'est-à-dire que c'est nous qui disons où va le navire, c'est pas le capitaine qui dit où va le navire. Donc il y a des images qui permettent de... À mon avis, le technicien, il faut... C'est Keynes qui disait, les économistes... sur la banquette arrière, c'est pas eux qui tiennent le volant. Et les techniciens, à mon avis, c'est pareil, hein. Il faut qu'ils tiennent, faut pas qu'ils tiennent le volant, quoi. Sinon, on va à Big Brother. C'est en même temps, je comprends votre argument avec les patrons. Mélanger économiste et banquier, financier. Pour moi, c'est pareil. Non, un économiste, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a des théories, et des grands bouquins de 1000 pages, et le but, c'était quand même l'enrichissement du peuple, la justice sociale, la justice, c'était... Les économistes purs travaillent dans le sens là. C'est pas forcément les financiers, les banquiers qui essayent de gratter plus. L'immense majorité des économistes ont été payés par les financiers et les commerçants pour légitimer la domination des plus riches. Il y a des exceptions, mais globalement, les économistes étaient... Je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer de faire prendre conscience à des gens qui sont dans la consommation pure de la politique actuelle, que peut-être qu'il y a une autre façon de voir la politique. Ce serait déjà ça, c'est-à-dire de prendre conscience que nous, on peut agir à notre niveau, quoi. Ouais, mais il faut entendre Alexandre, parce que moi, je l'ai vécu aussi plein de fois, ça. Hein. C'est-à-dire que quand il y a plein de gens, quand vous leur parlez politique, ils disent « Attends, là, tu m'as parlé politique, je t'ai écouté parce qu'on est potes, hein, mais... » Là, il ne faut pas que tu me fasses ça une deuxième fois, sinon je ne viens plus jamais. Quoi. Et donc, ils ne veulent pas en entendre parler du tout. Quoi, hein. Ils veulent entendre parler de couillonnade. Et pourtant, ils votent. Donc, l'idée de Boris, leur très bonne. Ils ont tout fait pour qu'ils soient comme ça. Mais attention, non, mais soyez, faites gaffe. Non, s'il vous plaît, faites gaffe. Dans ce qu'a dit Boris, c'est quelque chose de très important. Il y a plusieurs choses, hein, je crois. C'est de dire que les civils doivent être protégés. Parce qu'il appelle civils, ça m'intéresse le mot. Je n'avais jamais utilisé ça comme ça. Et pourquoi pas. Mais ça pourrait être citoyen et électeur, quoi. C'est-à-dire que les civils, ce seraient les électeurs. Des gens qui sont... Mais si, parce que les gens ne sont pas les mêmes, c'est vrai. Est-ce qu'on est égaux? Non. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Essayez de développer peut-être votre pensée. Vous voulez dire quoi? On n'est pas égaux. On n'est pas égaux dans la volonté. C'est quoi votre prénom? Monique. Monique, est-ce qu'on peut pas dire que on est tous égaux dans le sens où on a tous le droit de devenir citoyen dès qu'on le veut? Monique, c'est pas une pirouette, ça. Hein. C'est pas un mensonge de politicien qui cache un nom en disant oui ou le contraire. Hein. C'est vrai, ça, ce que je vous dis. Est-ce que c'est pas une vraie liberté, une vraie égalité que de dire tant que tu veux pas, tu l'es pas, et dès que tu veux, tu le seras. Ça, c'est une égalité, non? Et après ça, on n'est pas obligé de faire tous la même chose, Monique. C'est comme devenir français, il faut choisir. Mais c'est oui, non, mais c'est oui, mais c'est pareil. Non, mais pourquoi ça vous choque, ça? Moi, je trouve ça choquant. Il n'y a pas que les Français, je crois, tous les humains du monde disent ça. Ils disent... Faites des opérations alors sur des gens le lendemain. Il y a des choses qui ne pouvez pas être docteur du jour au lendemain. On peut aussi parler d'égalité de chance. Moi j'ai envie d'être docteur, lui il est docteur. Ah non, Alexandre, c'est pas ça l'objection. Non, mais Alexandre, c'est pas une objection ça, parce qu'en politique, normalement il n'y a pas de compétence, on ne peut pas faire l'image du médecin. C'est pas ça la réponse. Parce que c'est pas une question de compétence, c'est une question de volonté. Non, le médecin il a une compétence. Et je trouve que la réponse du médecin, elle ne convient pas pour répondre à Monique, parce que Monique dit « Mais attends, si on est égaux, on n'est pas égaux. Si on est égaux, on ne commence pas à faire des différences politiques. » Et vous dites « Non mais, il faut reconnaître qu'on n'est pas égaux. Le médecin, il a une compétence qu'il faut lui reconnaître. » Mais ça, c'est pas... Les démocrates, les Athéniens, ils ne disaient pas du tout que le médecin, il fallait tirer au sort. Hein. C'est l'égalité politique, demande Monique, c'est pas l'égalité des connaissances. Mais Monique, non mais c'est super intéressant, c'est exactement, c'est un sujet intéressant, là, important. Après, enfin, si vous voulez, mais... On peut avoir l'égalité, c'est pas l'égalité des chances ou l'égalité des volontés. C'est l'égalité des volontés, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux dans la volonté qu'on peut avoir envers un objet, voilà. Et donc, pour être citoyen, il faut vraiment pouvoir. Je pense que c'est ça. On est tous égaux, on est tous... Non, mais... Oui, non, mais... Non, mais Monique, on ne peut pas imposer l'égalité, en fait. Monique, ce que dit Boris n'est pas une inégalité politique. Ce qu'il dit, ce n'est pas une inégalité politique. Il dit qu'il y a une égalité politique, mais il y a une inégalité des volontés. Comment Bon. Alors j'y connais rien. Ce que je veux dire, c'est que le problème de Boris, de personnes comme moi qui ne sont pas compétentes, on est plusieurs. Mais si t'es compétent puisque t'es là, c'était pas là. Non, ça fait je suis pas compétent. La politique, je ne pouvais pas m'intéresser. Les 99%, je pourtant là. Je suis content parce que ça m'a intéressé. Ça devient quelque chose qui m'a interpellé. Parce qu'elle ne peut pas. Parce que je suis motivée. Et que je suis motivée, donc je me sens. Puisque t'es là, ton vote vaut plus que quelqu'un qui n'est pas là. C'est tout, c'est ce qu'on essaie de dire. Et donc c'est important de parler de la compétence, Alexandre. Je suis pas contre l'idée ce que je veux dire. Je pense qu'il y a un problème de. De mots. Il y a quelque chose de problème de mots aussi, j'ai envie de commencer à mais je vais dire ce que Alexandre. Parce que ça fait 6 ans que je suis, moi ça fait 3 semaines. Mais je choisis mal mes mots, mais je pense que quelqu'un comme vous est plus apte à voter que quelqu'un qui n'est jamais venu ici. Parce qu'elle le veut. Parce qu'elle le veut. Et c'est vrai, ça me dit, non, ça dépend quand même. C'est ça qui m'importe, moi. Le reste. Qu'est-ce qui vous choque? Et pour moi, ça, c'est pas illégal. Donc c'est pour ça que ça m'énerve quand on dit c'est illégal, parce que pour moi, le fait que vous êtes là, c'est la preuve que ça n'a rien à voir avec le social, c'est juste la volonté de vouloir. Et rien que ça, rien que l'avoir, et ben ça suffit. Mais si on l'a pas, on ne devrait pas pouvoir voter, parce que c'est une arme de destruction massive pour quelqu'un qui n'en a rien à foutre de pouvoir voter. Qu'est-ce qui vous choque? Non. Je sais pas, monsieur, il parle d'élection. Voilà, on parle pas de moi, je dis l'extrême droite, à ce moment-là, ils ont la volonté. Moi, je suis pas d'accord. En fait, l'extrême droite, l'extrême gauche, et le centre, c'est quelque chose comme ça. C'est là qu'on parle de la volonté des citoyens ou quoi. Oui, voilà. Les citoyens ou pas. Les citoyens. Ils sont dans le noir. Est-ce qu'on peut mettre un peu la lumière, Karine, s'il te plaît, au fond? Comment on peut juger de l'aptitude? Comment peut-on juger de l'aptitude de quelqu'un à être un citoyen, à être apte? Parce que là, on est en train de parler d'aptitude. Oui. Individuelle. Volonté. S'il le veut. Et une personne qui n'en a pas, c'est une question d'éducation. C'est la base. Qu'est-ce qu'on a chacun en nous? Qu'est-ce qui nous conditionne? Comment on en arrive à s'y intéresser? Et comment on est capable de faire la distinction entre un civil et un citoyen? L'idée, c'est d'essayer d'écarter le marketing, de l'influence du marketing sur les gens qui n'en ont rien à faire, qui à la fin arrivent et qui ne sont pas décidés, qui votent oui ou non sur un feeling, ah bah lui il a l'air beau, machin, je vais voter oui ou non, alors qu'au final il pourrait faire plus de mal que de bien. Et il suffit de s'intéresser. Oui, c'est pareil, vous laissez la parole. Non mais c'est bien qu'elle réponde quand même. Attendez, ce qui serait dans ces chiffres, c'est super le ping-pong là, mais il faudrait que les autres parlent pas en même temps. Vraiment, c'est super ce ping-pong, il est très intéressant. Mais ce qu'il faudrait, c'est que quand on est dans une espèce de discipline, c'est que quand il y en a un qui parle, on parle pas en même temps parce que à chaque fois c'est intéressant. Hein. Et en fait, quand il y en a un qui a répondu, il faut que l'autre puisse répondre parce que c'est pas fini. Monique, elle n'a pas fini, hein. Il faut qu'elle arrive à défendre son point de vue aussi. Mais simplement, il faudrait pas parler en même temps. Parce que là, moi, j'arrive à m'imposer parce que j'ai un micro, alors que là, vous n'avez pas de micro, donc il faut tendre l'oreille. Donc c'est important qu'on se taise tous quand vous faites votre ping-pong. Et c'est intéressant, là, parce qu'il y a... c'est juste une question de mots, je pense, parce que c'est tout à fait défendable l'idée d'avoir des régimes différents, un peu comme on accepte que quelqu'un n'aille pas voter. On lui donne le droit de voter, et il n'exerce sa puissance que s'il vote. Mais Monique, c'est exactement ça, hein. Non? Et vous les obligez pas à voter? Eh bien, ce serait pareil, là. C'est-à-dire que celui qui n'est pas citoyen, il peut le devenir s'il le veut. Pourquoi lui donner un nom particulier à son votant? Parce qu'il y aurait un pouvoir pour ceux qui sont citoyens parce qu'ils le veulent. Mais c'est simplement, mais ça peut se régler. Là, eux, ils sont en train d'imaginer un statut. Mais moi, à mon avis, quand il y a une grande assemblée, et que viennent, donc comme à Athènes, et viennent ceux qui veulent sur les sujets, on a ça. Et il n'y a pas besoin d'avoir un statut, Boris. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que si nous votons nos lois, c'est-à-dire que si on arrête d'accepter d'avoir des représentants, on dit on ne veut plus de représentants, on veut voter nous-mêmes nos lois. À ce moment-là, on s'assemble, quartier par quartier, commune par commune, et on vote directement nos lois. Dans ce cas-là, on est bien à la fois dans ce que vous connaissez et à mon avis ce que vous admettez quand même là. C'est-à-dire que viennent ceux qui veulent, vous n'allez pas les forcer à venir. Viennent ceux qui veulent, et donc ceux qui viennent, ceux qui veulent, c'est bien les citoyens, il n'y a pas besoin de leur mettre une étiquette ou pas une étiquette. Ce que vous préconisez, c'est le but ultime, moi j'aimerais qu'on arrive jusque-là. Et il n'y a pas besoin de statut là. Mais entre-temps, il faudrait une politique, on va dire, d'évangélisation de citoyens. C'est pas bon. Allez, on va ce que tu cherches, c'est un levier pour... Ne prenez pas mal du truc, c'est un mot... Il faut une distinction, il faut deux statuts au départ pour motiver tout le monde, pour devenir citoyen, les civils, il faut motiver les civils pour qu'ils deviennent citoyens. Bon, mais en même temps, Boris, vous sentez que... Je comprends votre aptitude, enfin, vous comptez sur le côté aristocratique, sur le côté, mais aristocratique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un peu comme une légion d'honneur, enfin, comme une espèce de diplôme qui donnerait envie aux gens de s'en occuper, parce que on leur met un... Parce que les gens sont très sensibles à l'insigne, hein, et d'autres interprètent ça comme une discrimination, en disant attends, il va y avoir deux catégories de citoyens, il va y avoir, comme on disait pendant la Révolution française, c'était honteux, hein, il y avait les citoyens actifs, ceux qui votaient, et puis les citoyens passifs qui ne valaient rien, quoi, hein, et ça, c'était révoltant, mais c'est pas ça que vous pensez, et c'est pourtant ça que suggère, c'est trop grand notre truc, c'est ça que suggère le statut, le diplôme, mais à mon avis on n'a pas besoin. La volonté, la chose du monde la mieux partagée, et tout le monde a de la volonté, quelles que soient les classes sociales. Merci. Alors, c'était très intéressant, mais je trouve qu'avec ce que tu proposes, qui est intéressant à nouveau, on suppose de problèmes déjà résolus. Qu'est-ce qu'on va faire si le peuple a déjà repris le pouvoir politique et comment il va s'organiser? Je trouve que ce qui est plus intéressant, parce que dans ce cas-là, on peut imaginer plein de choses positives, créatives, etc. Donc, je ne sais pas exactement ce que je veux dire, j'ai une autre remarque, mais juste pour dire que, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est comment on fait passer le message, comment on fait boule de neige. Comment on arrive à se fédérer pour développer le plan et mettre des outils en place en commun pour travailler avec Internet, avec une gestion décentralisée. Ça m'intéresse beaucoup. Et aussi la forme, comment on va présenter les choses. Il me paraît, c'est des critiques, mais qui ne sont pas vraiment sur le fond du tirage au sort, c'est plus sur la présentation. Est-ce que le tirage au sort, c'est vraiment ça qui est essentiel? Ou est-ce que c'est le contrôle des élus et à la fois les mandats qui sont courts, non renouvelables, et l'épée de Damoclès qui pèse sur les élus. Donc si on veut faire un mouvement où on veut faire passer les idées, est-ce qu'on parle de tirage au sort avant tout? Ça apparaît être essentiel dans le processus constituant, mais ensuite, je pense qu'ils sont plutôt sur d'autres idées qui me paraissent presque plus importantes, et comme c'est marqué procédure centrale, tirage au sort, je demande à Étienne si tu ne penses pas qu'au final, c'est pas... moins centrale que d'autres choses. Et la deuxième chose, juste pour finir, c'est sur la cause des causes. Je pense qu'il n'y a pas de cause des causes dans le sens où la causalité n'est pas linéaire ou cartésienne, mais qu'elle est complexe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui vont co-construire la réalité. Donc il y a plusieurs choses. Donc, est-ce que c'est le système monétaire ou est-ce que c'est le manque d'attention dans qui écrit la Constitution? Ou est-ce que c'est par exemple simplement la rareté, le fait qu'avant, que quand il y a un pain disponible pour 100 personnes, on va tous se battre pour l'avoir. Et ça, c'est mécanique. C'est comme ça que ça a toujours marché. Et on a effacé la rareté grâce à la technologie. Aujourd'hui, on est dans une société d'abondance, ou même d'opulence parfois, et on maintient, et ça, c'est un appel à une réflexion sur le système économique et ses mécanismes et ses contingences, mais plus de mécanismes dans ce cas-là, c'est qu'on maintient la rareté pour... Avec le système monétaire. C'est Thorstein Veblen qui disait ça au début du siècle, un économiste institutionnaliste qui avait une vision d'ensemble de la société, sociologie, économie, politique, droit, etc. et qui montrait qu'il y a un vrai paradoxe entre la valeur d'usage et la valeur marchande. Et donc il y a la valeur d'usage, c'est ce que les ingénieurs, c'est l'utilité que vous avez tel bien ou service. Les ingénieurs vont essayer de créer l'abondance, de créer des systèmes qui vont produire plus avec moins, etc. Et la valeur marchande, en fait, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est plus un bien est abondant, moins il est cher. Plus une compétence est rare, plus elle est chère. Je sais pas si vous voulez. Plus un bien est abondant, moins il est cher et moins il y a de profit. Donc on maintient les usines, les machines qui ne produisent pas trop. Donc la rareté est maintenue par le système économique même, par la logique de profit. Ça, c'est quelque chose qui est par le système central et par le monde central. Bon, voilà, j'essaie de recentrer un peu le débat sur l'économie plutôt que sur qu'est-ce qu'on fera quand le problème est déjà résolu. Ouais. Je vais commencer par la deuxième, sur le multifactoriel. C'est vrai que tout est multifactoriel, et que quand on cherche la cause des causes, on ne va pas trouver une cause unique. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche à soigner une maladie. Et la cause des causes, c'est parmi toutes les causes premières, et c'est vrai qu'il peut y en avoir plusieurs. On en cherche au moins une qui soit déterminante, c'est-à-dire qu'elle détermine les autres. Parce que si, ça veut dire que par définition, si tu la changes, tu changes tout en aval. C'est ça qu'on cherche. Donc c'est peut-être, tu as raison, peut-être qu'on trouvera un autre moyen que celui que je suggère, qui est de changer le droit du droit pour arrêter d'avoir un droit injuste et sortir de toutes les injustices, parce que nous allons... Quand je dis, si nous rétablissons notre puissance politique, moi je compte ensuite sur le hasard et la multiplicité, la biodiversité de nos exigences et de nos luttes. Une fois que nous serons rendus puissants, nous serons capables de corriger toutes les injustices, ou en tout cas un grand nombre d'injustices, parce que nous avons réglé quelque chose qui est déterminant. Je sais bien que c'est pas tout, je sais bien que c'est multifactoriel, hein. Notre prison politique, elle a été fabriquée par les plus riches, parce que les plus riches ont commencé, grâce à cette richesse, à corrompre les acteurs politiques du moment, de façon à devenir encore plus riches que riches. C'est Bonaparte, il ne faut pas que je dise de gros mots, cet affreux jojo de Bonaparte, qui est poussé par les financiers qui veulent faire la Banque de France, qui gagne toutes ses guerres parce qu'on lui paye ses guerres, parce qu'on l'aide partout, parce qu'à chaque fois qu'il y a des ennemis, on l'en débarrasse, on lui fabrique sa chance, jusqu'à ce qu'il renvoie l'ascenseur et crée la Banque dite de France, qui est en fait le début du grand racket, qui fait que ces gens-là vont ensuite tout contrôler tout le temps. Mais donc, je sais bien qu'au point de départ, ça a été la richesse, mais ce qui a décuplé leur richesse, c'est le suffrage universel. C'est ça qui leur a permis, par les parlementaires, de prendre le contrôle de la production du droit. Moi, ce que je dis, c'est, puisque c'est ça qui permet de booster, on va peut-être pas se débarrasser des riches ou de la cupidité, mais on va leur retirer le turbomoteur, on va leur retirer, en leur retirant le suffrage universel, qui est, après 200 ans, a fait la preuve qu'il ne tient pas ses promesses, en retirant le turbo, en mettant à la place un tirage au sort avec tous les contrôles qui vont avec, on va se rendre une partie au moins de la puissance politique qui va nous permettre de régler les problèmes. Mais je sais bien que ce n'est pas une panacée, hein, je ne m'attends pas à une perfection. Donc j'ai répondu aux deux, je crois. Parce que quand tu me dis que le tirage au sort n'est pas essentiel, et s'il n'est pas central, c'est le contrôle des élus, ben, c'est-à-dire que le problème c'est que le contrôle des élus, il va falloir le programmer dans une constitution, Frédéric. C'est Frédéric, hein? Sébastien, pardon. Sébastien, il va y avoir le contrôle des élus, il va falloir l'écrire dans une constitution. Donc tu me dis, le plus important c'est le contrôle des élus. Non mais le contrôle des élus, je l'ai bien vu, moi, quand j'ai analysé, j'ai dit mon impuissance politique, elle vient du fait que j'arrive pas à contrôler mes élus, et pourquoi j'arrive pas à contrôler mes élus, c'est parce que j'ai une mauvaise constitution, pourquoi j'ai une mauvaise constitution, c'est parce que c'est les élus qui l'ont écrite. Ah! Donc, je sais bien ce que tu m'as dit, mais pour moi, c'est en aval, c'est une des causes, et je suis déjà, moi, sur plus la cause des causes. Parce que si tu me dis, non, il suffit de contrôler les élus, ben, je te dis, ben, effectivement, mais comment tu vas faire? Parce que si tu ne règles pas le problème de qui écrit la Constitution, si tu laisses les élus écrire la Constitution, tu vas attendre longtemps qu'ils écrivent le contrôle des élus, ils n'écriront jamais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est, dans la logique, c'est multifactoriel, mais t'en as qui sont déterminantes. C'est parce que c'est des élus qui ont écrit la Constitution qu'il n'y a pas de contrôle des élus dans la Constitution, et pas le contraire. Et pour moi, c'est parce qu'il y a rareté qu'on est obligé d'être organisé avec le principe du marché, puisqu'il n'y avait pas assez pour distribuer pour tout le monde, donc on était obligé de rentrer dans ce modèle de concurrence. Quel rapport entre le marché et qui écrit la Constitution? La cause des causes de quoi? La cause des causes de nos problèmes actuels? De notre impuissance politique. Ah, d'accord. Notre impuissance politique a résisté sur la monnaie, a résisté sur la rareté, a résisté sur le droit injuste dans l'entreprise, a résisté sur... Notre impuissance politique, elle a une cause puissante, qui à mon avis est réglée par tirage. Ce qu'il veut peut-être dire, c'est qu'on aura peut-être besoin à un moment ponctuel d'avoir une masse de tirés au sort qui écrivent une constitution robuste et voilà, juste. Et après, on aurait plus suffisamment robuste pour qu'on n'ait plus besoin de tirer au sort. C'était ça qui... Absolument, et absolument, je suis d'accord avec ça. À mon avis, il en faudra un petit peu. On n'est pas obligé d'avoir une démocratie complète, là. Mais pas du tout. Moi, je m'en fais le... Je deviens progressivement, sans le vouloir, le défenseur de ce régime, apparemment, parce que, en l'expliquant, ça aide à comprendre ce qui nous aiderait à sortir du pétrin, parce que c'est des choses qui ont marché, qui ont été testées, rodées, améliorées pendant 200 ans, donc on pourrait vraiment s'en servir. Mais j'ai en même temps que cette réflexion sur une pure démocratie, une vraie démocratie, j'ai une réflexion très avancée, très variée, très documentée sur l'amélioration du gouvernement représentatif. C'est-à-dire qu'on garderait des élus ou on garderait des représentants, simplement on les contrôlerait mieux. Mais j'ai toujours besoin du tirage au sort pour l'Assemblée constituante, sauf si vous me trouvez une idée meilleure que le tirage au sort pour avoir une Assemblée constituante désintéressée. Non, il n'y a qu'à voir le rapport. Donc ça, il faut des garanties. Hein. Bon. Le rapport soulevé, les parlementaires se sont gentiment assis dessus. C'est ce que vous disiez, demander aux élus de créer les règles auxquelles ils seraient soumis sur les conflits d'intérêts en particulier. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Le rapport Sauvé, voilà, il existe un... Les sénateurs ne veulent pas voter de loi, l'Assemblée nationale, pas plus que ça non plus. Donc est-ce qu'on est d'accord pour faire une priorité? Alors peut-être pas la seule, mais une priorité c'est mieux quand elle est seule quand même. Mais de faire une priorité pour régler peut-être pas tous, Alain, il est parti Alain. Oui. Mince. Peut-être pas pour régler tous nos problèmes, mais pour en régler une grande partie, est-ce qu'on est d'accord sur l'idée d'une priorité qui serait de... Oui, mais pas changer le système, c'est-à-dire d'imposer, de mettre dans ce que nous voulons une assemblée constituante sans professionnels de la politique. Il y a des gens qui ne veulent pas du pouvoir. On veut que dans la constituante, ce soit des gens qui renoncent d'abord au pouvoir pour le futur, mais qui ne sont pas des professionnels. C'est des gens qui ont... Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne? Déjà, ça va déjà très loin, et le Venezuela a démontré que même avec les professionnels de la politique, on peut quand même avoir quelque chose qui est beaucoup mieux que ce qu'on a nous aujourd'hui en France, même si ce n'est pas encore de la démocratie réelle. Ils ont quand même, via des professionnels qui ont écrit cette constitution, même si elle a été votée... par le peuple, hein. C'est eux qui l'ont écrit.